matin, nous sommes là, oui, autant que nous sommes, pour réclamer ce qui nous est de droit. Il n'est pas question que l'ONG se joue de nous. Jamais. Ça, c'est impossible. Il n'est pas question. Ça nous fait déjà un an et poussière de mois qu'on ne perçoit pas notre bourse. On arrive à la BICIG et on nous dit, on nous remet 60 000. On ne peut même pas retirer les 5 000 francs qu'il y a au-dessus parce qu'on doit garder le compte. Mais c'est quoi cette merde? Les écoles prennent les gros lots. Il y a des gens qui prennent des millions. On en a vu. Mais c'est quoi, c'est ça? Écoutez, on est là. On est dans quel monde? C'est pas possible. Voilà. Les étudiants de l'IEP sont aussi des étudiants gabonais. Voilà. Il n'y a pas de privilège pour les autres et on laisse les autres. Voilà. Ça, on refuse ça. Écoutez, on a qui n'est pas content, bouge. Voilà, il y a eu la bourse pour tout le monde. Une chose est... 24 août. Donc on doit avoir nos bourses aussi. Une chose est sûre. Pour les bacheliers 2019, on a peur pour eux. Hein. 2020. Même 2020. On a peur pour eux. Parce que on est en train de tuer l'école publique au Gabon. Si on ne le croit pas, tout le monde n'a pas les moyens pour aller dans les privés. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas en les moyens pour que tous les étudiants gabonais soient au même titre d'égalité? Pourquoi? Mais l'ANBG dit quoi? Regardez le bel bâtiment, il n'y a pas la peinture d'abord. Ils ont quoi dans la tête? Ils ont fait la police pour venir nous taper. On ne recule pas. Ça, nous sommes habitués à ça. Ce qui est sûr, les policiers ne me font pas la peur. Si nous sommes réunis ici ce matin, c'est parce que nous sommes là, nous défendons une même cause, celle de nos bourses, ce qui nous revient de droit. Ça fait pratiquement un an et demi que nous n'avons pas encore perçu nos bourses. Et nous nous rendons compte que après un an et demi, nous avons des étudiants qui n'ont pas encore vu leur nom sur le site de l'ANBG. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a ceux qui ont leur nom à la BICIG de l'UMI, où tout le monde se fait bancariser, mais leur nom ne s'affiche pas sur le site. Et il y a d'autres qui ont déjà vu leur nom sur le site, qui n'ont pas de papier jaune, l'attestation de bourse. Ça, c'est un autre point. Maintenant, le point le plus final, le plus important, c'est que pour ceux qui ont déjà perçu leur carte, que ce soit les élèves de l'US, les étudiants de l'US ou ceux de l'UOB, on a remarqué que lorsque nous sommes allés au guichet pour jouer le robot, moi principalement, parce que je parle de quelque chose que j'ai vécu, et presque la plupart de tous les étudiants qui ont joué le robot, on a perçu une somme de 67 600 francs après 15 mois. 67 600 francs, c'est même pas le montant de la bourse, le gros lot. Et pourtant, aucun texte, aucun article au Gabon ne stipule que pour avoir le gros lot, il faut apprendre toute l'année. Et pourquoi ceux des grandes écoles, prennent des gros lots et nous, à l'université au Mabongo, nous on ne perçoit pas, on perçoit 67 600. On nous marginalise. Pourquoi? Après 50 ans, l'université a toujours ce genre de problème. Tous ceux qui siègent au conseil d'administration à l'ANBG savent ce qui se passe. Lorsque ils prennent des décisions, ces mêmes personnes qui siègent au conseil d'administration de l'ANBG, il y a aussi des professeurs de l'université au Mabongo, il y a l'administration de l'université au Mabongo. Lorsqu'ils prennent des décisions, tous ils sont réunis au conseil d'administration. Donc ils connaissent les points qu'il faut aborder. La preuve en est que nous, on manifeste nos droits. Pourquoi nous envoie la police à tout moment? À chaque manifestation, la police est là. À chaque manifestation, même si on ne casse rien. Moi, je voulais aller parler, représenter le collectif. On m'a refusé l'accès. Parce que la direction ne nous dit rien concrètement. Ils ont pris un groupe de personnes. Ils disent que ce groupe de personnes qu'ils ont choisi eux-mêmes, parce que moi, le collectif avec deux autres personnes, nous a
nous a délégués pour qu'on puisse aller représenter l'université. Ils ont refusé notre accès en disant leur raison, c'est qu'on a fait du tapage. On a fait du tapage au matin. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas corrompus. Si rien n'est fait, nous allons persister dans nos mouvements de courant. Il n'y aura plus de cours, que ce soit à l'université au Mabongo ou à l'US, tant que nous n'aurons pas perçu nos bus, nos gros lots. On va tout gaspiller. Dans un délai bien déterminé. Nous manifestons pacifiquement, nous n'allons rien casser. Parce que c'est ce qu'ils attendent, que nous puissions faire le désordre pour qu'on puisse toujours dire que les étudiants de l'UOB, ils vivent, ce sont des barbares, donc ils ne sont pas civilisés, mais nous n'allons rien casser, nous allons manifester pacifiquement.